Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Trio et surtout de Python et de l'asynchrone et de comment Trio va être capable de peut-être vous aider à moins souffrir en termes d'asynchrone. Du coup, l'asynchrone dans Python, c'est vraiment un sujet qui est très ancien, puis ça remonte à Twisted il y a maintenant plus de 15 ans. Mais ça a vraiment eu un gros boom ces dernières années avec l'arrivée de async.io et surtout du mot-clé async et await. La question, c'est surtout à quel point async et await a changé nos vies. Et pour ça, on pourrait regarder un petit peu dans le passé comment est-ce qu'on faisait de la programmation asynchrone avant. Donc là, j'ai un exemple qu'on ne fait plus du tout en Python, donc j'ai dû même prendre un autre langage pour donner quelque chose qu'on peut encore voir quelquefois dans du code. Donc là, l'idée, c'est de se dire on utilise uniquement des callbacks, donc c'est vraiment l'outil le plus basique qu'on ait à notre disponibilité. Le code est assez difficile à lire. Quand on veut gérer des erreurs, il faut tout gérer soi-même. Si on commence à lancer une exception, elle va se retrouver dans l'event loop et pas dans, par exemple, la callback qui a appelé notre callback ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très compliqué de programmer de cette façon-là. Donc au bout de quelques temps, les gens ont commencé à créer un nouveau concept qui est les promises. Donc en async.io, on appelle ça des futurs, en twisted, on appelle ça des differ, mais grosso modo, c'est toujours la même idée. Donc on va créer un objet qui va représenter l'état de notre callback, et comme ça, ça va être beaucoup plus simple de chaîner les callbacks les unes après les autres, pour pouvoir gérer les erreurs, dire on va lancer cette callback-là si jamais la première callback a réussi ou non, ou annuler des callbacks en avance de phase. C'est bien, mais au final, c'est toujours des callbacks avec beaucoup de syntaxe et d'amélioration autour. Donc on a toujours le même problème qui est qu'une callback n'est jamais connectée à son parent. Si jamais on commence à lancer un debugger là-dessus, on n'arrivera vraiment pas très loin. Et donc au final, c'est toujours assez douloureux. Donc c'est là où bien sûr, il y a Async Await qui est introduit. Donc là, on peut voir que le code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa. Je pense qu'on peut même encore un tout petit peu l'améliorer en faisant ça. Et du coup, voilà, donc là, on fait de l'async.io, on utilise await, donc on a maintenant ce concept de fonction asynchrone qui fonctionne quasiment comme les fonctions synchrones. La seule chose qu'on a en plus, c'est de pouvoir utiliser le mot-clé await là où on veut pour pouvoir mettre la fonction en pause. La gestion des erreurs, c'est exactement comme dans les fonctions synchrones, avec des exceptions, donc tout a l'air parfait. Alors, est-ce que c'est parfait? Bah non, évidemment. Il y a encore quelques petits trucs qui posent problème. Donc là, par exemple, j'ai un exemple. C'est un truc assez classique, on va avoir un serveur, donc là qui est la fonction scheduler. Ah, méchant de moi, pardon. Voilà, donc je disais, on va lancer un serveur qui va tourner continuellement. Ce serveur-là, de temps en temps, il va scheduler un travail. Et le problème de ce travail-là, c'est que bah, y a un problème dans le travail, donc ça fait une exception. Donc si on regarde ce que ça donne ça, hop, pardon, j'ai le code ici, tac, c'est le même que ce que je vous ai présenté. Je lance ça, donc il y a le premier job qui arrive, et là, bah, c'est assez bizarre ce qui se passe. Si jamais on est habitué que à faire de la programmation synchrone, vu qu'on avait une exception dans le code et que cette exception est catchée nulle part, bah, ça devrait remonter jusqu'au début de notre programme explose et fin de l'histoire. Alors que là, pas du tout, on se retrouve avec la stack trace qui est printée sur stdout et notre programme qui continue à tourner. C'est bizarre. Et si on regarde un petit peu les exceptions, on va voir qu'on va nous parler de la fonction doSomething qui raise l'exception, on va nous parler de worker qui était la fonction parente qui a appelé doSomething, mais on ne va pas plus haut. Donc si on regarde un petit peu le code qu'on avait à la base, en fait on se rend bien compte que le problème vient de cet endroit-là, c'est-à-dire ici on va créer une coroutine, une nouvelle coroutine qui va être séparée de celle-là, et cette nouvelle coroutine elle vit sa vie dans son coin et elle n'est plus du tout connectée à la première coroutine. Donc si cette coroutine a un problème, le problème remonte dans l'event loop, et l'event loop il se retrouve comme une poule avec un cure-dent. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette exception? Soit il arrête tout, soit il fait ce qu'il y a de moins mauvais à faire, c'est-à-dire il affiche l'exception, et puis il continue en priant pour que ce n'était pas quelque chose de trop grave. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est ça. Donc là, c'est une fonction, grosso modo, on joue à la roulette russe, mais de manière récursive. Donc l'idée, c'est on va lancer notre fonction roulette russe. Là-dedans, on va voir si on a de la chance ou pas. Si on n'a pas de chance, bon, ben, on lance une exception. Si on a de la chance, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer deux nouvelles coroutines et on va utiliser async.io.gather, qui est une fonction qui va permettre en fait, d'attendre que ces deux coroutines aient fini de travailler avant de continuer notre coroutine initiale. Donc fini de travailler, ça veut dire si jamais une des deux coroutines a un problème et lance une exception, l'autre coroutine va être annulée et l'exception va être relancée par async.io.gather dans la coroutine parente. Donc si on essaie de lancer ça, j'ai le code ici, hop, voilà, donc là je le lance.
Ça sent pas bon. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il se passe un truc bizarre. Donc si je l'arrête un petit peu plus vite, hop, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que je peux scroller un petit peu ? Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on on commence à jouer à notre roulette russe. Bon, il se passe des choses, il se passe des choses. À un moment, tac, on n'a pas de chance. Donc il y a l'exception qui est lancée, l'exception est récupérée, et ici, on se retrouve dans notre fonction main. C'était l'endroit qui était ici, où on est juste en train d'attendre un petit peu à la fin. Et au moment où on attend un peu à la fin, ce qui se passe, bah, c'est qu'il y a d'autres coroutines qui ont l'air de se faire lancer, de se faire scaluler, et le truc devient complètement fou, il en lance partout. Donc il y a vraiment quelque chose qui marche pas, quoi. Si on regarde un petit peu comment fonctionne notre système au niveau des coroutines, on commence avec juste notre coroutine principale. Celle-là, on va imaginer qu'elle essaie de jouer à la roulette russe et elle gagne. Donc elle va lancer deux nouvelles coroutines filles. Celles-ci vont elles-mêmes gagner. Donc on va se retrouver dans cette situation-là. Maintenant, si on regarde comment fonctionnent les gazeurs, ils vont fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a la coroutine main qui attend la coroutine 1 et 2 grâce à gazeur, et la coroutine 1 qui attend 1-1 et 1-2, et 2 qui attend 2-1, 2-2. Ok, tout va bien. Jusqu'à ce qu'évidemment il y ait une exception qui arrive. Donc cette exception, elle va être récupérée par le gazeur de la coroutine parent, c'est-à-dire ici. Ce gazeur-là va annuler la coroutine 2-1 et va faire remonter l'exception. Donc on va remonter à nouveau, on va jouer à nouveau à ce petit jeu avec le gazeur qui est dans la coroutine main, qui va annuler cette exception-là aussi. Et c'est là où effectivement on se retrouve avec un problème, puisque notre exception ne remonte plus puisqu'elle se retrouve dans le main et qu'on a mis un try except. Par contre, on se retrouve avec ces deux coroutines qui étaient surveillées par un gazeur qui était dans une coroutine qui vient d'être tuée. Donc du coup, ces deux coroutines-là, elles sont totalement libres de continuer leur travail qui consistait à démarrer des coroutines. Et donc on se retrouve dans une situation où on lead des coroutines. Voilà, donc du coup, à partir de là, on peut se rendre compte que la programmation asynchrone, c'est toujours pas parfait. Et donc il y a quelques petits trucs qu'on aimerait bien améliorer. Donc notamment, ce qu'on voudrait, c'est à partir d'une coroutine, on soit capable de lire toute la stack trace pour voir d'où vient cette coroutine, qui est son parent, comment elle a été créée, pouvoir remonter jusqu'au main. De la même façon, quand il y a une exception qui commence à être relevée, il faut qu'elle puisse remonter jusqu'au main si elle n'est pas catchée. Et encore un autre truc qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est contrôler facilement la durée de vie d'une coroutine par rapport à ses parents et ses enfants. Donc, par exemple, là, ce qu'on a vu, quand on a un parent qui est arrêté, on aimerait que facilement pouvoir dire « je veux que les enfants soient aussi arrêtés ». Donc évidemment, c'est à ce moment-là où je vais vous vendre la révolution de ma conférence, qui est donc du coup Trio. Donc la personne qu'on voit là, c'est le créateur du framework, il s'appelle Nathaniel Smith. Et lui, il s'est dit, bon, on a ce nouveau mot-clé Async Await qui est super bien, qu'est-ce qui se passerait si jamais on crée un nouveau framework asynchrone qui laisserait tomber tous les concepts archaïques comme les callbacks, les promesses, qui se concentrerait juste sur Async Await, et en plus de ça, qui introduirait un nouveau jeu de primitives qui permettrait de simplifier comment on parle de concepts asynchrones, en gros. Donc c'est comme ça qu'il a fait Trio. Donc Trio, concrètement, l'architecture, c'est trois choses. Donc on a déjà vu Async Await, et il y a deux autres choses qui sont un peu plus exotiques, c'est les nurseries et les cancel scopes. Donc si on commence par regarder les nurseries, donc là, j'ai fait la fonction de la roulette russe version Trio. Donc tout ce qui change, c'est juste cette nursery. L'idée, c'est en Trio, contrairement à un async IO, on ne peut pas créer une coroutine comme ça ex nihilo. Il faut forcément qu'on utilise une nursery pour créer une coroutine. Ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois qu'on a une coroutine, celle-ci est toujours connectée à une nursery. Et le truc qui est très intéressant avec ça, c'est que la nursery, c'est aussi un context manager asynchrone. Donc quand on rentre dans ce context manager, il ne se passe rien. Par contre, quand on en sort, la fonction de sortie va bloquer tant que toutes les coroutines de cette nursery n'ont pas été résolues, n'ont pas terminées. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce bloc-là va bloquer tant que ce qui est à l'intérieur là n'est pas terminé. Alors en quoi est-ce que ça résout notre problème ? Hop, on s'en fout de ça. Donc là, j'avais mon arbre de coroutines tel qu'il était dans mon exemple précédent. On a donc du coup des nurseries qui maintenant englobe chacune de ces coroutines, donc ça nous donne quelque chose qui est à peu près cette tête-là. Et en fait, en Trio, il y a un outil qui s'appelle le monitor, qui permet en fait de se connecter à un process Python qui fait tourner un programme Trio, et de regarder en temps réel quelles sont les coroutines qui existent. Donc si on lance ce monitor sur le programme, on va tomber sur quelque chose qui est comme ça. Et c'est là où on arrive à voir très facilement que maintenant,
avec ce concept de nursery, Trio est capable de créer vraiment un arbre, un graphe de coroutines, et donc de mettre des hiérarchies entre ces différentes coroutines. Donc à partir de là, si jamais on a une exception comme ça, bah c'est trivial de voir comment est-ce que Trio va être capable de propager l'exception et d'annuler en fait toutes les coroutines qui sont en dessous de la coroutine qui est en train de gérer l'exception actuellement. Et donc on se retrouve dans un cas où on a nettoyé toutes nos coroutines sans aucun problème. L'autre élément dans l'architecture de Trio, c'est ce qu'on appelle les cancel scopes. Alors l'idée des cancel scopes, c'est de se dire, on fait de la synchrone. Quand on fait de la synchrone, on communique en général avec l'extérieur. L'extérieur, c'est grand, il y a plein de problèmes, il y a des serveurs qui crashent, des routeurs qui répondent pas, etc. Et donc du coup, on se retrouve toujours fatalement avec un moment où il faut qu'on mette des timeouts. Et du coup, ce serait pas mal de se dire, j'ai un arbre de coroutine, je veux appliquer une règle, par exemple, sur tout ce morceau d'arbre, je veux pas que ce morceau d'arbre, il tourne plus que, mettons, 0,3 secondes. Donc pour faire ça, en fait, c'est toujours assez simple. En Trio, on va créer un autre context manager qui s'appelle donc un cancel scope et on va dire je veux que on reste dans ce context manager pour au maximum 0,3 secondes. Et comme ça, magiquement, on a dit que tout cet ensemble-là, celui qui était en dessous, maintenant il a un timeout de 0,3 secondes. Et voilà. Et c'est fini. Et c'est ça qui est génial dans Trio. C'est que la notice de Trio est incroyablement courte, incroyablement concise et. Avant, je disais, ça change de la doc de Async.io, mais depuis, elle a été refaite, elle est aussi vachement bien. Donc, ça change d'autres frameworks, dirons-nous. Voilà. Et donc, du coup, on peut peut-être se poser la question, c'est bien là sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie ? Du coup, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est... Il y a un exemple typique qui a été présenté par Nathaniel lors de la dernière PyCon, qui est de se dire, je veux contacter le serveur Debian.org. Donc pour faire ça, il faut que je fasse une résolution DNS, sauf que bien sûr, Internet, c'est compliqué, donc quand je fais la résolution DNS, je ne vais pas me retrouver avec une seule adresse IP, mais avec une foultitude. Et maintenant, laquelle je choisis ? Donc pour faire ça, la première solution, ce serait la solution naïve, où on dirait, j'essaie la première adresse IP, au bout d'un moment, ça time out, j'essaie la deuxième, etc., jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche. Le problème de ça, c'est que c'est très lent. Donc ensuite, il y a la façon un peu plus violente, où on dit, j'essaie tout en parallèle, et puis le premier qui marche, tant mieux. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ça aménage pas le réseau. Donc il faut trouver quelque chose qui soit un petit peu entre les deux. L'idée, c'est justement cet algorithme-là qui s'appelle Happy Eyeballs. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va commencer avec la première adresse IP, on essaie de la lancer. Si au bout d'un moment, ça ne marche pas, alors on va lancer une nouvelle tentative sur une autre adresse. Si cette autre adresse ne réussit pas, échoue rapidement, alors on n'attend pas plus que deux raisons, on recommence sur une autre adresse directement. Et dès qu'une de ces adresses réussit, on annule les autres tentatives. Voilà, donc ça, c'est Happy Eyeballs. Il n'y a pas d'implémentation en Async.io. Par contre, il y en a une en Twisted. Et donc, ça donne ça. Donc, selon Nathaniel, c'est assez compliqué à lire. Il y a plein de coroutines qui sont imbriquées dans des coroutines. Donc, c'est vraiment difficile. Et donc, du coup, les gens de Twisted, ils sont au courant de ça. Donc, ils se sont dit, on va faire mieux, on va améliorer le truc. Et donc, il y a le créateur de Twisted, qui a planché sur le truc et donc a fait une nouvelle version qui est vachement plus simple. Donc il paraît que c'est mieux, mais il n'en est toujours pas très content, il y a encore des petits problèmes, etc. Bon, et pourtant, le gars, c'est quand même le créateur de Twisted. Donc en gros, c'est le gars qui a le plus d'expérience dans l'univers Python en programmation asynchrone. Et on est là, alors qu'on est en train de parler d'un concept, d'un algorithme qu'on arrivait à décrire avec des mots humains très facilement. Donc il y a vraiment un problème de vocabulaire dans la façon qu'on a de programmer, quoi. On n'arrive pas à toucher les bons concepts. Donc du coup, si on regarde ce que ça donne en Trio, donc là, on a un petit squelette de notre fonction qu'on appelle OpenTCPSocket. Tout en haut, ce qu'on fait, c'est juste la résolution DNS. Donc trio.socket, c'est exactement comme le module socket de Python, sauf que c'est la version asynchrone en Trio. Et ce qu'on va avoir à la fin, c'est une variable qui va s'appeler winningSocket. Soit elle contiendra quelque chose, on aura réussi, soit elle contiendra rien, et là, désolé, il n'y a pas de socket possible. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se faire en parallèle. Plusieurs choses en parallèle en Trio, il n'y a pas 50 façons de le faire, il faut qu'on ouvre une nursery. Donc tac, on crée notre nursery. Notre nursery, elle va appeler une fonction attent qui sera la première tentative qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est la première tentative ? Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la première tentative, ce qu'on fait au tout début, en fait, c'est surtout on attend. Alors, la toute première tentative, on n'attend pas, mais toutes les autres, après, la première chose qu'on fait, c'est on va attendre. Donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va attendre ?
Il y a deux choses qu'on attend. La première chose, c'est on veut que la tentative précédente, si elle échoue, on arrête d'attendre. Et l'autre chose, c'est si la tentative précédente prend trop de temps. Donc, pour dire la tentative précédente échoue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer autant d'événements qu'il va y avoir de tentatives. Et quand une tentative échoue, elle met à jour cet événement. Et donc, on va attendre l'événement précédent. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est le cancel scope, qui va dire je ne veux pas me retrouver dans ce bloc-là plus de le temps du timeout. Si on est plus long que ça, hop, on va sortir du temps. Voilà. Une fois qu'on fait ça, l'autre chose qu'on doit faire, juste avant de commencer réellement à travailler, si on se retrouve ici, c'est lancer la tentative suivante pour qu'elle commence à faire son attente. Donc pour faire ça, on va utiliser la nursery et dire j'appelle la fonction attent sur la prochaine tentative. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le travail de connexion à la socket réellement. Donc ça, c'est exactement le code qu'on ferait avec le module socket classique, sauf que c'est asynchrone. Et là, il y a deux possibilités. Soit ça a échoué, donc on a eu une exception, on cache l'exception et on peut mettre à jour l'événement comme quoi notre tentative n'a pas marché. Ou alors on a réussi, c'est la fête. Et là, du coup, on va se retrouver avec notre winning socket. Donc on va mettre à jour notre variable winning socket qu'on avait plus haut. Et surtout, en fait, on va utiliser le cancel scope qui est directement fourni dans la nursery pour annuler la nursery. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Concrètement, ça veut dire que toutes les coroutines qui existent encore dans cette nursery, elles vont toutes être annulées. Et si toutes les coroutines dans la nursery sont annulées, ça veut dire que ce context manager-là, on peut en sortir. Donc on sort du context manager et on se retrouve ici, où donc soit on a notre winning socket qui vient d'ici, soit ça veut dire qu'on a épuisé toutes les tentatives, on n'a pas de winning socket et on raise l'exception. Voilà, donc là, c'est le moment où je peux vous faire une démonstration que ça marche. Ça va être extrêmement impressionnant parce que j'ai déjà préparé le truc et qu'il n'y a pas de suspense, mais on va faire semblant. Ça marche. Vous êtes heureux. Voilà. Du coup, Trio, il y a plein d'autres bonnes choses qui sont dedans. Donc il y a tout ce qu'il faut bien pour faire de l'asynchrone, évidemment. Plein de choses. Il y a plein de choses pour tester. Si vous aimez Hypothesis, ça supporte Hypothesis. Et ça, c'est bien. Il y a un module Ptest qui marche vachement bien. Le CTRL-C qui marche, ça semble ridicule quand on le dit comme ça, mais en fait, CTRL-C, c'est super important. C'est, comment dirais-je, il y a un article, Nathaniel, il a un blog, ce blog est extrêmement intéressant, je vous invite tous à aller le voir, à vous jeter dessus, et notamment, ça parle de tous ces concepts-là. Et concrètement, quand on fait un CTRL-C, il y a plein de choses qui se passent d'habitude, et là, comme on fait de la synchrone, il y a plein de choses qui se passent à plein d'endroits différents, donc ça devient extrêmement compliqué. La plupart des frameworks disent juste, c'est compliqué, on va passer ça sous le tapis. Sauf que Nathaniel, il est un petit peu monomaniaque quand il fait les choses, il veut les faire parfaitement, et donc CTRL-C marche. Là. Et il y a aussi ma fonctionnalité préférée, c'est qu'on peut rendre Async.io et Trio compatibles. Et ça, c'est génial, parce que Async.io, c'est déjà compatible avec Twisted et avec Tornado. Donc ce qui veut dire qu'en fait, juste avec cette solution qui consiste à réécrire une event loop Async.io par-dessus Trio, on est capable d'être compatible avec tout l'écosystème asynchrone de Python depuis Trio. Donc, par exemple, le code applicatif que nous, on va l'écrire en Trio, et ensuite on va pouvoir s'appuyer sur des bibliothèques. Par exemple, on veut se connecter à du Postgre, on va pouvoir utiliser AsyncPG directement depuis Trio. Et ça a marché. Voilà, donc il y a plein de gens qui sont très contents, qui disent des choses bien dessus, donc peut-être qu'il faudrait les croire. Et voilà. Et à propos de ça, j'ai mis le lien de la conférence de Nathaniel à la Picon, qui contient absolument une somme d'informations génialissimes, notamment les conférences à aller voir si vous voulez savoir plus, les articles de son blog à lire si vous voulez en savoir plus, etc. Donc je vous invite à regarder ça si ça vous a plu. Voilà. Bon, 2-3 questions. Faut bien répéter. Oui ? Sur le tour D, quand tu annules la nursery à l'intérieur de la nursery, à quel moment celui qui appelle l'annulation de la nursery le fait vraiment ? Est-ce qu'il a le temps de libérer les ressources ? Enfin, j'imagine, libérer les ressources qu'il avait, de faire des scripts ou des choses comme ça, alors, du coup. Donc du coup, la question, c'est si on a des nurseries qui sont les unes dans les autres, comment se passe le nettoyage des coroutines? Quelque chose comme ça.
Du coup, au final, les nurseries, faut juste imaginer que c'est des objets qui permettent de tenir en laisse les différentes coroutines. Donc à la fin, le concept d'annulation, ça veut juste dire qu'on a une coroutine qui appelle, donc qui fait un await. Quand elle fait un await, elle se met en pause. Et l'await, ensuite, on va avoir un résultat qui va sortir, ou alors on peut avoir une exception. Et en fait, Trio va injecter une exception cancel dans cette, à la sortie de cette await. Et donc notre fonction, notre coroutine, on va juste la voir raise un cancel error. Ou je sais plus dans où ça doit être cancel exception. Enfin bon, une exception comme ça. Et du coup, nous, dans notre code, très facilement, on peut du coup catcher cette exception si on veut faire un travail final. Ou alors, dans notre bloc, on a un finally et on finit le travail, ce genre de choses. Et on peut même utiliser des shields pour empêcher des cancels un petit peu haut, un petit peu bas, quand on fait des trucs un peu plus tricky. Mais ça, c'est niveau deuxième dan. Quelqu'un d'autre? Oui? Ça a l'air trop top. C'est quoi les raisons pour lesquelles on n'utiliserait pas Trio en prod, par exemple? Parce que si on peut complètement remplacer la Trio, qu'est-ce qu'il ferait? Quels sont les freins aujourd'hui? Alors, Trio a l'air vachement bien. Pourquoi est-ce que c'est pas encore plus utilisé? Donc du coup, le truc, c'est que Trio, c'est très récent. Donc ça date d'il y a 2-3 ans à peu près. Alors, ça a beau être très récent, comme je disais, c'est à peu près la base de code la plus qualitative que j'ai eu droit de lire, dans le sens où à chaque fois qu'on lit un paragraphe, on lit du code, on a un paragraphe énorme qui parle de pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière-là, avec toute la bibliographie sur absolument tout. Donc, si vous voulez apprendre des choses en asynchrone, allez juste lire le code, c'est génial. Ensuite, voilà, c'est toujours assez jeune. Les concepts ont fait leur petit bonhomme de chemin, notamment, justement, dans Async.io. C'est-à-dire qu'il y a plein de concepts de Trio qui sont en train d'être reversés dans Async.io. Il y a Yuri qui a fait pas mal de conférences à ce sujet-là. Donc, avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de passer à Trio, on n'aura que les bénéfices de Trio. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a un énorme avantage à Trio par rapport à Async.io, c'est quand même que Trio est extrêmement simple, alors que Async.io doit quand même se traîner toute la dette technique qu'il a engendrée pendant ces années. Voilà, voilà. Bon, merci beaucoup.